Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale arène. Donc aujourd'hui on va commencer par une petite arène que je connaissais pas trop. En fait je suis jamais venu ici. Donc dedans il y a Rhino Ferrance à 1954, donc on a mis des Aqualies. Un Léviator à 2878, donc j'ai repris le Lanturne. Et puis j'ai quand même pris des erreurs de réseau, donc ça commence mal. Et ensuite il y a mon Dracolos, donc j'ai mis un low class et un Lamantine au cas où. Donc on va tenter l'attaque. J'espère que ça va passer. J'aime pas trop quand il y a des erreurs de réseau comme ça. On va déjà y aller en bourrin au début. Parce que j'ai encore plein de choses à faire. Oui, je suis un peu pressé. Je vous le cache pas. Donc là, je suis déjà. Dengar et moi, on est déjà dans cette arène. On a mis le Léviator et le Dracolos. Donc là, je fais juste de la place, vite fait. Au cas où il y a du monde à passer. Je vais continuer un tout petit peu, histoire d'avoir l'hydrocanon. Voilà, et on va passer au Lanturne. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'aime pas quand ça fait ça. Voilà, typiquement, là, je pense qu'on est en pleine erreur réseau. Donc là, ça sert à rien de. Ah voilà. Allez, voilà. Alors ça m'énerve. Franchement, les gars. Vous voyez, en fait, le. Il n'y avait plus de combat. Vous avez bien vu, hein, comme moi. Hein. Il n'y avait plus de combat et il m'a tué mon Pokémon. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Bon là, c'est encore le bug. On a évité, mais en fait pas du tout. Oh là là. Franchement, il faut qu'il règle ses problèmes. Parce que c'est agaçant. Donc là, on a un Pokémon qui fait deux fois moins de PC. Donc on va déjà pas lancer un hop. On va essayer d'esquiver quand même. Allez. Voilà. Donc on va gagner combien de points? On gagne 2000 points, donc on fait une nouvelle place. Voilà, c'est juste au cas où quelqu'un passe. Il n'aura plus qu'à se poser dedans. Voilà. Oh bah tiens. Je vais le prendre pour une autre vidéo. Allez, on va passer à une autre arène. On va s'amuser à casser cette petite arène. C'est juste pour le plaisir. On n'a pas besoin, on va la laisser blanche. Des fois, c'est bien de. Casser des arènes juste comme ça. Allez, on va tenter ça. Puis après, on se mettra autre chose. Donc là, j'ai choisi un gros Léviator pour le Pyroli. Je sais pas ce qu'il y a de plus efficace. C'est pas tellement lui qui m'intéresse, en fait, c'est plus celui d'après. Donc là, on va juste le combattre comme ça. Voilà. Ensuite, on est sur du. Tiens, bon, on va continuer un petit peu avec ce Léviator. Alors, il utilise Dracochoc. Alors moi, sur les Ronflex, je trouve que le Léviator est quand même beaucoup moins efficace que l'Aqualie Hydrocanon. Donc là, on va prendre cher. On va lui mettre un dernier coup et on va bouger. Parce qu'il est beaucoup plus rapide, en fait, l'Aqualie. Allez, on va l'achever à coup d'hydrocanon. On n'a même pas eu besoin. Bon, du coup, on va lui mettre un coup d'hydrocanon à lui.
avant de passer à l'antilefo. L'antilefo, c'est celui que j'utilise avec lance-soleil. Voilà, il devrait prendre cher la colline là. Bang! Vous avez vu ça un peu? C'est super efficace. C'est super efficace. Voilà, on va relancer direct. Qu'est-ce qui reste dans l'arène? Donc il reste le ronflex. Donc on va prendre. Bon, on va reprendre celui-là parce qu'il a, il a quasiment pas ramassé. Et puis bon, on y va comme ça. On est des dingues. J'aurais pu essayer de varier un peu quand même. J'avoue que j'ai un peu la mauvaise habitude d'utiliser toujours les mêmes Pokémon. En même temps, j'ai une vingtaine d'arènes, un peu plus même. Donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de gros Pokémon qui sont pris quoi. Hein, que je ne peux pas utiliser. Ah, j'ai raté mon gros canon. On va prendre un petit coup d'ultra laser. C'est pas très grave. Voilà. Franchement, la quali là, il faut que je sais pas si je peux encore le monter. Mais c'est vraiment un tueur d'arène quoi. Quoi, avec du Vibraqua. Vibraqua, c'est la défense de la quali que je mets en arène aussi moi. Je sais pas pourquoi, j'ai pris cette habitude. Donc voilà. On tombe cette arène rouge juste pour le fun. Hein. Je vais la laisser blanche. Ou on va peut-être mettre des petits trucs dedans. Tiens, on va mettre un excellent histoire de leur tirer la langue. J'aime bien tirer la langue pour montrer qu'on est là. C'est ça qui est drôle. Voilà. Hop, on va retirer la langue. Voilà. C'est juste pour le fun. Allez, on passe à la suivante. Bon, on va se taper une petite arène 8 rouge. Je vais essayer de jouer avec les deux cons, donc ça va être encore marrant. Donc pour le Donphan, j'ai choisi Noix de Coco. Pour le Léviator, on a laissé Voltali. Pour la Lacazam, on va rigoler un peu, on a mis 6 Aiox, hein, vu que c'est de l'insecte et il est faible contre l'insecte. Ensuite, le Rhinophéros, bon voilà, l'Aquali se pose là. Ensuite, on a toute une série d'Aquali, donc j'ai mis. On a 3, je crois. J'ai remis un Noix de Coco. J'en ai mis 2 sur le compte à Dengar. Et pour finir, il y a un autre Léviator, donc on espère avoir des Voltali qui nous resteront en vie pour les taper. Allez, on va rigoler un petit peu. Ça va être encore du sport. Allez, c'est parti pour le combat. Donc le Donphan, il a plusieurs faiblesses. Hein, donc j'ai choisi Noix de Coco parce que par rapport à ce qu'il y a après, en fait, surtout. J'aurais pu prendre de l'eau. Voilà, ouais, d'accord. Aïe 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 aïe, il a pris cher. Wouah! Allez, on va passer au Voltali. Voilà, on a pris cher. C'est dommage, on a pris un coup. Allez, la Kazam. Le fameux insécateur. Oh, 6 Aiox. Normalement, il doit pas faire un pli. Hein. Oh! Ouh! Ouh là là, c'était une mauvaise idée. Vous avez vu ça un peu comme on a pris hein? Les deux. Hein? Waouh! Donc, mauvaise idée. Les 6 Aiox, c'était nul. On va essayer de tous pour après. Ah, j'ai rien compris, là on a pris un coup et boum! Ah, le double hydrocanon, ouais bon, pff,
Bébé à canon, ça fait très mal. Hein. Sur un rhino. Tiens, ce nom me dit quelque chose. Sauf que c'était pas Corinne, c'était Toscana. Ça sent le nouveau compte, ça. Ou le double. Je ne vois plus le Toscana là. Toscana. J'avais un Toscana 08 et je le vois plus. Et là, comme par hasard, on trouve un Corinne 08. C'est plutôt bizarre, les amis. On va finir avec lui. Voilà. Sauf que derrière il y en a un autre. Hop, hop. Oh, il fait n'importe quoi sur le compte d'un gars. C'est pas facile tous les jours, les amis. Antilopho, lui, c'est celui qui fait mal avec lance-soleil. On prend cher quand même, hein. Ils sont costauds les trucs. Hein. Bon, j'ai pas grand chose sur le compte à Dengar, hein. C'est un peu compliqué. La fin de combat risque d'être compliquée. Ouais, boum. Bon bah voilà. Bon bah on se revoit quand c'est terminé. On a fait perdre 10 000 points à l'arène déjà, c'est cool. Voilà, on est sur la fin de cette arène, il reste plus qu'un seul Pokémon à l'intérieur. C'est un gros Léviator. Plutôt sympa. Hein. Il fait plutôt mal, donc c'est des combats intéressants. Bon, malheureusement, il a face à lui... Le tueur de Voltali. Alors si on évite son hydrocanon une seule fois, vous avez vu. Oui, peut-être deux fois là. Bon voilà, c'est fini. Bon du coup on va se la reprendre. Hein. On a descendu cette arène 8 à 0. Et puis on va rentrer dedans. Donc qu'est-ce qu'on va mettre on a beaucoup de Léviator. Écoutez, on va mettre un Léviator. Un Léviator défensif. Et avec... Ah, les vainqueurs ont la priorité. Et donc avec... le comte de Dengar, on va mettre autre chose. On va mettre son Dracolos. On est... Oh, j'hésite. J'hésite. Ouais, je vais lui mettre un Dracolos parce que de toute façon, je pense pas qu'elle va tenir bien longtemps cette arène. Allez, on passe à la suivante. Allez, pour finir cette vidéo spéciale arène, on va se retester notre petit Lanturne qui monte doucement contre un Léviator. Donc je le monte petit à petit. J'ai pas beaucoup de bonbons. On a pas beaucoup de réseau là. Ça va être compliqué, je pense. Alors, on va essayer quand même. Oula, j'ai eu le temps. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, j'ai pas le temps de faire deux. Ah, c'est très court quand même. Ah, je l'ai pris. Ah, je l'ai pris. Non, j'ai pas pris là. Oh là là, hé. Hey. Bon. Bon. Vous pouvez pas le voir en fait parce que je. Vous voyez pas mes doigts, mais je l'avais évité. Bon, c'est pas grave. Ça va, il monte. Allez, on va se le prendre celle-là. Oh. Cool. On va mettre quelque chose là-dedans. Ouais, vous l'avez vu, hein, mais. C'est pour une autre vidéo.
Tiens, on va se mettre le Tyranno, on s'en fout. Hop, c'est parti. Et je mettrai quelque chose pour Dengar. Allez, salut à tous et à bientôt, bah, pour une prochaine vidéo de chasse, du coup. Salut tout le monde!